Canada déclaré yo pas acheté chat dans sac. Non moment n'a parlé à la gagne une délégation qui sorti Canada qui débarqué en Haïti qui vient faire évaluation situation pays d'Haïti pour regarder dans qui mesure possible yo cavoyer une intervention militaire étrangère en Haïti. Eh bien, depuis hier jeudi, pour arriver jeudi vendredi, il y a un secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui débarque au Canada. Nous avons parlé avec Justin Trudeau, premier ministre canadien, avec Mélanie Joly, qui est ministre des Affaires étrangères canadien. Tu as gagné plusieurs points sous table parmi les dossiers haïtiens. Eh bien, restez là, pour le bon détail, puisque tu as gagné des informations pour connaître. Dans le dossier insécurité gang cap terroriser population haïtienne non information qui rive joint nous commencement janvier jusqu'à septembre 2022 à là gagné 4 sénateurs 3 ministres dans gouvernement Ariel Henry États-Unis retirer visa on va joindre plus détails sous dossier si là et on a fini avec yon intervention ancien ministre justice Luc Mandelil fait dans sa qui a passé en dedans PNH puisque nous apprenons gagné Carl Henri Boucher un inspecteur en dedans la police lui même leur te gagné opération 12 mars 2021 côté policier ont été victimes en dedans village de Dieu eh bien li réaffecté dans poste li dans même grade li même salaire li et jusqu'à présent PNH pas en mesure pour le dire qui est-ce qui derrière massacre qui t'est fait dans village de Dieu. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue, c'est un plaisir pour moi avec aujourd'hui. Dans l'émission pour mon éditorial avec Yannick. Eh bien, préparons, nous prenons par les pays. Nous prenons garder ensemble situation qui a développé en dedans pays là, puisque il y a pile policier, yo même dans moment là, qui déclaré aptitude, bonne volonté, yo gen, bon vouloir, yo gen. Pour servir pays pour faire ça yo gen pour faire comme travail qui se protéger et servir population mais ça qui passe en dedans PNH tellement drôle tellement malouk eh bien non seulement CSPN mais tout gen haut état major la police qui contribue largement à craser institution et permettre à ce que gang fin prend pays restez là nous parlons pas les pays ou pour joindre toute information ça yo dans un petit moment c'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Dossier haïtien, li créé en pile tension diplomatique dans ça qui gagne pour avec Nations Unies. Gagne plusieurs pays tant la Chine, la Russie, gagne Brésil, gagne la France qui ont même des position par yo avec résolution États-Unis décidé mettre sous pied là pour gagne une intervention militaire étrangère en Haïti. En diplomatie, ça qui a passé en Haïti, la situation de tension, crise qui gagne, c'est ça nous a considéré comme une patate chaud. Haïti, dans ce moment-là, c'est une patate chaud. Il y a quand même le petit mouvement de bonbon chaud, il n'a pas la mêle. Eh bien, Ariel, il m'a demandé pour une intervention militaire qui fait en Haïti. Mais États-Unis qui décide de prendre ça en charge, États-Unis qui décide de venir avec résolution sous table, il a remarqué que. Gen en pile l'autre pays pour me pas dire tout l'autre pays qui fait partie de Conseil sécurité Nations Unies ou bien de l'Assemblée générale Nations Unies yo même yo pas favorable yo pas d'avis pour une intervention militaire en Haïti donc dans moment États-Unis ça c'est pour col dans dossier kounye a par rapport avec situation ça yo voyon coup de jet by CARICOM yo voyon coup de jet by OEA d'ailleurs parler de CARICOM parler de OEA ou toujours joindre États-Unis là-dedans parce que États-Unis lui-même lui toujours fait partie de toute organisation régionale ça yo non façon pour le gagner en contrôle yo en prise sur tout ça qui a passé dans Caraïbes blanc qui près lui sur tout ça qui a passé dans Amérique là donc par rapport avec situation ça comme nous connaissons, Canada c'est plus proche allié États-Unis, c'est partenaire de longue date. Donc, comme pas bien l'autre pays qui peut être volontaire dans la situation et tension Haïti, dans la crise vivant dans le pays, eh bien, automatiquement, États-Unis tournent vers le Canada. Eh bien, secrétaire d'État américain, Tony Blinken, il débarque au Canada, non tête à tête avec Justin Trudeau, non tête à tête avec Mélanie Joly.
dans l'objectif pour regarder qui ça yo ka proposer, qui ça yo ka préparer, qui ça yo ka mettre sous table pour mettre camper force d'intervention militaire là. Étant donné objectif principal dans le moment là, c'est river voyer un soutien militaire by PNH pour aider renforcer institution la police et river contrecarrer phénomène gang avec bandits. Kounya sous table Canada lui-même il décidé pour le pas porter bourre tête baissée dans dossier Haïti. C'est vrai, yo gen relation diplomatique avec Haïti, c'est vrai, yo partenaire de longue date aussi, mais ça qui gen pour avec intérêt Canada, intérêt peuple canadien, c'est ça qui principale préoccupation Justin Trudeau. Kounya Canada décide lui-même par rapport avec situation ça puisque États-Unis puisque secrétaire d'État américain fait déplacement li vini non tête à tête pour parler non seulement de dossier haïtien mais tout yo te parler de dossier Ukraine là bon dossier Ukraine n'a quitté le de côté. Kounya Canada mande États-Unis faut gagner un plan sous table faut gagner un plan qui pral dresser de A à Z qui sa intervention militaire là. Qui point stratégique li, qui sa ki ka principal faiblesse li, qui sa ki ka principal force li, avant que yo pren décision. Et c'est pour cette raison, gen yon délégation que le gouvernement canadien envoie en Haïti actuellement là, qui pou vin faire yon évaluation. Gen moun ki a parlé de force et d'intervention Canada get envoie en Haïti, non. Yon même gouvernement canadien considéré, c'est une délégation qui vient à faire une estimation, vient à regarder, vient à faire analyse terrain, OK? Vient regarder qui point stratégique, qui plan stratégique yo ka mettre si toutefois yo d'accord pour yo prendre tête mission. Si toutefois yo d'accord pour yo prendre tête mission d'intervention militaire en Haïti. Parce que peuple canadien yo même yo rien faire pa yo. Yo gen lo malheur pa yo, yo gen lo problème pa yo a régler. Même les États-Unis gen problème pa la régler. Mais qui ça qui permet à ce que je dis là États-Unis rete figé? Oui, fuck yo voyons intervention militaire en Haïti alors que au niveau Conseil de sécurité des Nations Unies, au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, bagay ça, li levé une tension diplomatique entre États-Unis avec un paquet de pays. Parce que yo même yo pas favorable et ouais États-Unis li rete accroché et m'ai l'impression même si c'est garanti pour États-Unis ta un pays qui t'a décidé porter le volontaire, même si c'est payé pour États-Unis ta un pays qui t'a décidé porter le volontaire pour prendre tête force militaire étrangère en Haïti à faire parce que ou senti yo bon ou comprendre bon marché pressé des États-Unis effectivement faut que yo voye force d'intervention militaire en Haïti coûte que coûte n'importe gens ça est faut qu'il débarque en Haïti. Et dans situation ça, une fois que évaluation fin faite, une fois yon fin étudié terrain, yon pote rapport by Mélanie Jolie, kounya pral gon décision qui pral pran entre États-Unis et Canada pour connaître effectivement est-ce que Canada c'est lui-même qui pral pran tête intervention militaire étrangère en Haïti. Kounya gon l'autre constat pour nous faire. Tout le temps on a parlé de PNH et la police ka résoudre problème de sécurité. Policiers yo yo ka résoudre problème insécurité mais sous table tout nous toujours soulever interrogation qui gen pour avec manque de volonté qui pa gen en dedans institution la police nous toujours soulever interrogation qui gen pour avec volonté politique qui gagne pas bon côté acteur yo pour écraser institution la police pour qui ça bon m'explique on bagarre on va comprendre bien toute décision qui pour prend en dedans institution la police dans ça qui gen pour avec intervention qui doit faire. Yo doué passer préalablement en dedans CSPN nan. Et là on a parlé de CSPN, on a parlé de yon groupe moun majoritairement qui gagnait acquaintance politique. Ça me l'a dit par là. On parle de CSPN ou gen président CSPN nan qui c'est premier ministre. Actuel premier ministre Ariel Henry là, c'est lui-même qui a présidé CSPN nan. Ariel Henry qui ça qui mettait Ariel Henry lui-même lui sorti directement de un clan politique de un souche politique ou gagné ministre justice qui c'est vice-président premier vice-président CSPN là lui fait lui gagné une appartenance politique avec un clan quand même vle ou pas ou gagné ministre intérieur à collectivité territoriale qui c'est Lise Kitel
vle pa vle, li genye yon akwentos politik, li soti nou anklan politik. La ordre de CSPN nou getan gen 3 principal akteur sa yo, yo menm yo liye avec la politik. Apre ou pral genye directeur général la police ki se premier secrétaire, ou pral genye inspecteur général la police ki se secrétaire adjoint. Yo menm yo fè parti de l'institution PNH. Imagine ou, l'opération menée qui côté le doué débat avant qui côté le doué débat et plan stratégique opération comment le bras le fait c'est à travers CSPN. Imaginons jodi on n'a parlé de gang qui prend pays, on a parlé d'influence de relation autorité avec gang, nous toujours viser ou bien longe doit directement sous ministre, sous secrétaire d'état, sous directeur général, sous premier ministre, sous président, sous conseil, etc. Donc si on est dans CSPN, trois dans cinq membres, trois dans cinq mouns qui chita sous table, qui pour étudier ensemble un plan stratégique, pour mener, pour aboutir avec une opération qui a déniché bandit, qui a éradiqué phénomène gang dans le pays, ils ont une acquaintance politique, et le plus souvent, c'est même eux-mêmes qui sont avec bandit. Comment on peut révéler pour l'opération ça a réussi? Depuis l'ordre dans CSPN, où il y a un temps, il y a un problème politique qui posé. Parce que, opération qui a décidé, PNH qui a décidé, bon, on va rentrer dans la base vite l'homme. Okay? Nous allons mettre en opération campé pour nous rentrer dans la base vite l'homme, soit dans Peigne, soit dans Torsel, n'importe côté lié. Et puis, il y a des nègres qui fait partie de politique, des nègres qui fait partie de même CSPN, ça, qui t'a soi-disant allié vite l'homme. Ou pensez opération ça l'a abouti? L'IPAP j'aime qu'a abouti parce que quelque part, pas de volonté vrai. Et m'bral don bagay ou pral comprendre. En dehors de CSPN, non? Gagner yon disparité. Ok? L'on gade, ou prend par exemple, ou prend président CSPN, premier ministre, ou prend premier vice-président qui se ministre justice Berto Dossé, ou prend deuxième vice-président qui se ministre intérieur collectivité territoriale Lise Kitel. Et pour nous, on prend gade force nexa ou nan balance, ou prend gade disproportionnalité en l'autre bord par rapport avec DG la police et premier secrétaire, et pour prend gade et inspecteur général de la police comme secrétaire adjoint. Même l'ordre de PNH, ta mon volonté pour nèg yo faire opération, pour nèg yo mettre des plans stratégiques pour attaquer bandi, pour démanteler gang. Imaginez, si nèg sa yo tout temps nous tendez yo gen acquaintance avec bandi, yo gen relation avec bandi, nous sont bon scandale là qui dou ou gen ministre intérieur collectivité territoriale Lise Kitel qui implique qui gen nous cité dans cause kidnapping. On moun kon sa pa on moun kon sa pa ka fè confiance si l'ta di la bloquer opération ka fè nan bas vite l'homme alors que soit dit kidnapping qui te fait c'est nèg vite l'homme ou bien au kidnapping qui te fait c'est nèg izo alors que l'ta gen relation avec eux ou pense la jambe qui te opération sa fait ou pense la jambe qui te intervention sa fait l'a toujours cherche en façon pour le boycotter donc là on déjà comprendre que disproportionnalité, disparité ça qui existe dans CSPN non, qui permet à ce que majorité en ces influences politiques et mineurs ça yo DG avec IG et la police yo même si on vote si on décision qu'a prend nèg politique yo décide boycotter yo pas ka faire rien yo pas ka faire rien et bon l'autre aspect me le comprendre ça k'ap crase institution la police en pire de là c'est le fait que nous gen bien longtemps pas gen ordre démocratique dans la République qui respecte. Élection pas faite à temps. Yo pas renouvelé tiers sénat à temps. Yo pas renouvelé parlement à temps. Qui ça qui vient là? Qui ça qui vient? Qui ça situation ça vient créer? Qui ça qui a passé qu'on y a? L'on directeur général dans la police supposé passer devant sénat, ok? C'est président qui doit nommer. Président nommé un chef de police, un DG la police, qu'on y a la gagné pour le passer devant sénat, pour sénat ratifier. Et il y a un mandat 3 ans. Attendez. En Haïti, majorité nèg ouè qui passe en dedans direction générale la police comme DG la police, yo toujours haï. C'est toujours nèg yo nommé dans transition, nèg yo nommé dans tis ami qui pas jamais gros mandat qui pas jamais passé devant sénat vrai. Dernier DG la police nous te gagne passé devant sénat qui a cité c'est Michel Angédéo. Et nous ouais qui quantité baf Michel Angédéo te prend. Nous ouais qui quantité fil à retard yo te bali pour qui ça parce que dès pour passer devant sénat, sénat ratifio ou là pour 3 ans pas gon nèg qui ka révoko. Président pas ka révoko. Directeur et conseiller président pas ka jouer pour le faire révoko. Ministre pas ka révoko, directeur général pas ka révoko, pas gon nèg qui ka révoke automatiquement c'est sénat qui ratifie choix et président faire.
Kounye a, depuis après Michel-Ange Léon, tout nèg qui passe, Normil Rameau passe, c'est AI. Léon Chol passe, c'est AI. Francel Bekila, c'est AI. Depoussé à l'intérim, depoussé ou son responsable ou son autorité par intérim, kounye a, ou tombe dans une situation quand c'est job ou faire. C'est job ou yé, c'est job moun ou vin faire, ou là pour satisfaire moun qui met au lan. Et nèg si tellement attaché avec job, nèg si tellement attaché avec fonction, avec position yo yon, yo a toujours peur pour yo perdre job yo. Imagine ou si ta gen une intervention, opération qui ta discuté dans CSPN nan. Et puis, LB avec IGA, yo tient ce que pour opération en fait. Et pour jouer trois nèg ou bien yon nan nèg yo, qui gen gros voix, qui gen influence, qui dit opération pas faite. Soit premier ministre, soit ministre justice ou bien ministre intérieur dit opération pas faite. Ou tient pour opération en fait. Ou kase sur les réseaux sociaux, hein? Ou kase nan media, attendez, yon revoko ou. Alors qu'on toujours qu'on nous directeur général de la police ou bien inspecteur général de la police, ou attendez, yon revoke ou. Ou revoke ou pas là encore. Différence qui gagne c'est que le on DG la police passe devant sénat ratifié li connaît li assuré li connaît li non poste li non poste de responsabilité li gon travail pour le faire et le ça la ka camper même j'a tout nèg en dedans CSPN non pour défendre position si gon opération la mettre de A à Z mais qui intérêt opération mais qui plan stratégique même le te ka toujours gagne divergence d'opinion dedans CSPN non sous table là oui pas de problème mais au moins la ka camper pour défendre position mais l'on prend intérim les Ariel qui mettait LB ou pas LB ka font bagay là ou pas LB ka font bagay LB ba ka font merde. Elle met peur pour pas perdre du job li. La peur pour pas révoquer. Et surtout en dehors de l'institution la police. Dans le moment là, il y a un gros problème. Problème dans ce qui s'allie. Tout nèg, tout commissaire, tout inspecteur divisionnaire, tout nèg a cherché yon nèg dans la politique. Tout nèg a cherché un clan politique, un camp politique. Pour qui ça? Pour assurer que yo non seulement y a monté un grade pour assurer yo que yo gen possibilité pour yo joindre grade pour yo joindre possibilité peut-être yo te quand même vin directeur général la police pour qui ça parce que en dehors des institutions la police hein, yo pas respecté sa charte la police en dit yo pas respecté sa loi qui crée institution la police hein, yo pas respecté ça dit hein. Pour qui ça? Parce que chaque nèg jodi an nous wè vérité, chaque nèg comprend ses politiques qui ba influence, chaque nèg comprend ses politiques qui ba pouvoir. Tout le monde a cherché un clan politique. Tout le monde a cherché un marine, tout le monde a cherché un parrain. Donc automatiquement, ou nan camp pouvoir là, ou nan camp PHTK, tout bagay ap regle pou, tout bagay bon pou, yo pa prévoke n'importe gens. Au contraire, ou te mettre fait n'importe bavi, ou te mettre fait n'importe bagay qui mal, c'est promotion en bas parce que ou non au pouvoir ou son gouvernement, c'est tintin naturellement yo fait, c'est tintin naturellement yo bat bravo pour lui, c'est tintin naturellement yo approuvé. Donc automatiquement on a camp pouvoir, tout bagay bien passé pour ou. Et c'est une des raisons. Jodi an la police yo montré yo déterminé, en pile la police yo montré yo gen volonté pour yo ta travail, mais travail avec qui est? Qui est-ce qui pral bay l'ordre? Qui est-ce qui pral mettre campé en opération pour yo? Yo poko wel. Et l'autre bagaille, c'est problème matériel, problème équipement. Problème équipement ça, c'est vrai, directeur général après directeur général toujours soulevé le bay nèg CSPN yo, mais à cause en pile nan yo obligé baisser tête devant blanc pour blanc pas destituer pour blanc pas révoquer pas faire perdre du poste yo pas ka défendre du bec et des ongles ça qui ta gen pour avec sécurité paysan et pourtant yo toujours parler de violation souveraineté alors que yo pas en mesure pour défendre institution PNH que yo la dans que yo gen un siège yo gon pouvoir décisionnel en dedans CSPN non yo pas faire. Est-ce qu'on va camper tête jodi avec États-Unis pour dire qu'on ça équipé la médaille ou pour aller acheter matériel pour équiper la médaille qui l'a mis qui Ariel qui Kitel qui Beto Dossé et d'ailleurs Beto Dossé il pas en bonne mesure là pour camper garder blanc danger ça veut dire rien pas jambe ca fait là et honnêtement m'abdou combien mois nous rester pour année à finir combien jours nous rester pour année à finir nous pas rester pile. Nous restons deux mois, quelques jours là pour l'année 2022 à finir. Et dans la situation nous y est là, j'en nous est payé à dégringoler là. Si nous voulons résoudre le problème de sécurité en tout bon, nous parlons d'intervention militaire étrangère, il faut que tu aies une volonté politique manifeste par vos côtés dirigeants, par vos côtés responsables en dedans CSPN. Ça, c'est une. Et deuxième bagaille, il faut que nous retournions à l'ordre constitutionnel.
Si pour CSPN, si pour DG la police a toute liberté, a toute autonomie pour prendre des décisions, pour mener le pays à bon port, pour prendre des décisions qui ont pour avec intégrité territoriale, pour prendre des décisions pour protéger le territoire national, il faut nous retourner à l'ordre constitutionnel, faut que nous avons un parlement qui fonctionne, faut que nous avons un sénat qui fonctionne. C'est ça lié. Faut que nous rejoignions les députés, côté député au cas là, il y a des députés qui viennent avec des propositions de loi, etc. Mais autrement, nous avons toujours une crise de sécurité, nous avons toujours une kachouboumbe, la violence politique là pour augmenter, nous avons passé de gang avec terrorisme. Parce que c'est sur route ça nous y est. Pays parfait sans principe. Vous mettez toutes sortes de pays parfait sans principe. Pays parfait sans respect normes. Pays parfait sans nous pas respecter la loi. Qui ça la loi dit? Moi, j'ai l'impression que c'est seul Haïti. Tout le monde besoin de pays, mais pas grand monde qui veut respecter le principe. Tout le monde veut pays fonctionner, mais pas grand monde qui veut courber devant ça la loi dit. Eh bien, pas possible, il n'est pas jamais possible. C'est là que le monde n'a pas pays à fonctionner. C'est là que le monde n'a pas pays à marcher. N'a pas citoyen aimer pays, n'a pas citoyen respecter pays, n'a pas citoyen courber devant ça la loi dit. Mais en Haïti, nous tous, mais, yo dou comme ça, la rien, c'est ça, mon peuple. Oh, la rien, c'est ça, mon peuple. Ça a bon droit pour jeter fatra. Ça a bon droit pour faire toute saleté, toute malpropre, dans la rien, c'est ça, mon peuple. Oh, yo dou, Haïti, c'est pour nous tous. Mais Haïti, c'est pour nous tous. Là, le pas bon droit pour autant, pour déstabiliser un pays, pour craser un pays, pour participer, non violer la loi, non violer les principes. Si vous-même, attendez, si vous-même qui c'est, ou c'est gouverné, gouverneur yo pas respecter la loi. Gouverneur yo pas vle yo pas vle respecter principe yo. Comment pral mande gouverneur, comment pral mande population pour respecter principe? Ou même moi voler, comment pral garder l'autre si malheureux qui vole un pain pour le débat petit li manger? Ou quoi ça le pral do la dou? Et ou même qui vole ya? Et ou même qui vole l'argent l'état? Qui ça yo fo? Yo pas fo un moi même te grand ou petit moi te grand pour voler un pain pour sauver les condamnés. Mais c'est ça y a dit. Et automatiquement, une société d'impunité, pas gagné cap ka résoudre, pas gagné cap ka n'a pas tiré le positif, pas gagné n'a pas joindre de bon, non société d'impunité, non société côté c'est hingan, non société côté moun a comporté en bête sauvage sa conjugue. Li pa jamais marcher comme ça, pa jamais bon comme ça. Moment arrivé là pour nous penser avec pays, pour nous penser à rétablir l'ordre démocratique dans le pays, pour nous garder par qui moyen possible, nous planifier, nous presser, jouer nos concertations, chita font dialogue et pas connait, mais si son l'autre gouvernement n'a mette qui ca abouti vers les élections pour nous faire. Jodi là nous besoin parlement dans le pays, nous besoin parlement qui ca aider nous résoudre problème gang en amont. Parce que d'autant c'est nèg qui mette nèg dans cette institution, c'est job yo hein. Ariel mette LB, LB a travaillé pour Ariel. Si Ariel rele LB là, li dit débarquer unité et boy de l'an débarquer Udmo, débarquer soit devant la caille pour empêcher manifestants yo rive devant la caille, LB obligé faire. LB obligé faire parce que c'est pour lui la travail. Est-ce qu'on comprend? Lorsqu'on DG, yo fait choix ces narratifs, yo ka di bon, on pas ka débarquer toute unité en non. Gen l'autre périmètre qui mérite sécurité. Gen l'autre périmètre qui mérite protéger, mais ça m'a ka ba ou mais ça m'a ka joine. On comprend? Là ça ou dans position pour défendre, on comprend pour défendre fonction ou dans position pour défendre toute une population. Haïti en c'est salié, nèg plus remet à l'intérim non. Yes, nèg plus remet ti fonction à ian, leur ça fait ça voler au profiter, voler l'argent, déstabiliser un pays, craser un pays et puis yo pa gen compte pour yo bay personne. Et c'est youn des bagaille qui finit avec société noire. Question reddition de compte là. Haïtien pa remet mande compte. Nous pa mande autorité compte. Nous tout di autorité au voler. Oh! Ariel son volant, Okitel son volant, l'autre son volant, yo participé dans la corruption, etc. Mais nous pas jamais demandé au compte. C'est pour ça que c'est CSCA là, c'est pour ça institution régalienne là, c'est pour ça yo là, pour yo bay compte. Nègre te gon gestion ta fait, c'est pour le vini, pour le dou, mais ça te gère, mais comment te gère, etc. C'est ça qui doit être fait dans tout pays. Et c'est ça, ici, par exemple, la Kaili qui fait, nous arrivons côté, nous y là. Nous est tout volé, mais nous n'avons volé, pas jambre code. Hier, yeah, gardons déception, gardons de respect.
ministre justice Beto Dorsey pral voyager, le arrivé pour la checker pour le monter avion American Airlines, yo décidé yo dit ah bah bah ka monter qui s'est passé checker ambassade américaine, yo coupé visa Beto Dorsey. Et songez bien. Pour qui raison département d'état américain te dit yo pral commencer couper visa, yo pral commencer révoquer visa quelques membres gouvernement Ariel Henry, ancien membre ancien et député sénateur en fonction etc. Pour qui ça? Pour qui ça, vous te dit, yon pas dit, c'est pour yon pas de voyager à l'États-Unis, non, pour yon faire vacances, pour yon faire visite. Yon te dit, c'est moun, qui n'a kokodai, qui n'a kokobret, qui n'a connivence à gang, comment dit, gang bandit en Haïti. C'est pour raison ça, département d'État américain te dit, yon prévoqué visa moun sa yo. Qui ça, ça dit ou l'entende yon coupé visa ministre justice Beto Dorsey? Qui ça, ça dit? Est-ce que ça va souffler un petit bagaille dans les oreilles pour dire « Ah papa, ministre justice Beto Dorsey pas fin bon moun. Ministre justice Beto Dorsey, li nan konkombrek, li nan konivans, li nan konkode avec gang, avec bandi en dedans pays, kap terrorise petit tout, kap touyo, kap kidnappo, kap fè kade jak sou, kap krasé, kap déstabilise société, kap déstabilise pays. C'est pas ça qui interpelle, c'est pas ça qui passe dans tête tout, c'est pas ça qui passe dans les oreilles. Eh bien, États-Unis commencent à voir un message clair, comme ils pas révélé l'identité de Mounio, mais à chaque fois qu'ils commencent à prendre un avion pour monter États-Unis, ils bloquent, au moins là, ils commencent à avoir une idée de personnalité, de qui est-ce qui participait dans la commandite et insécurité, dans la fournie de gang moyen matériel pour déstabiliser le pays. Ça va nous étonner sous le temps de pas voyager. Hein? Qui tel même dans le dossier kidnapping pasteur Michel Ferrer. Ben, bah, ça n'a pas fini. Hein? Forme Michel Ferrer pour te plainte aux États-Unis pour Liz Kittel avec toute madame Kittel dans le dossier kidnapping. Kittel lui-même n'a pas voyagé depuis bien longtemps et révoqué visa pour dossier kidnapping. Et modèle Mounsayo, yo fait carré dans la figure, yo fait carré là dans tes pays comme ministre, comme moun qui a planifié l'avenir, comme moun qui a planifié l'avenir pays, comme moun qui a destiné tout au peuple. Non, mais yo, ça va loin. Son signal États-Unis voyez bah nous quand même blanc révoqué visa pour dire moun ça pas bon moun c'est gang yo et dans dossier zam pour de paix oublier sinon Beto Dorsey t'a cité Haïti pas vendre zam nous pas faire zam nèg yo fait zam débarquer en lieu dans pays pour aller vendre bandi et en même dossier ça oui secrétaire Barreau Robinson Pierre Louis Brocode jusqu'à présent dans prison oui jusqu'à présent ni dans pénitentiaire national mais Beto Dorsey tellement te gagne dilatoire t'a fait tellement te gagne et rapport de force qui t'a fait le ça dans dossier zam port de paix Beto Dorsey li style en fonction mais Beto Dorsey avec Ariel Henry yo pas gagne bonne relation Beto Dorsey avec Ariel Henry yo pas ami vrai yo pas gagne bonne relation et par rapport avec situation ça qui doit faire le bon signal qui baille nous même nous doit réagir automatiquement au coupé visa Beto Dorsey. Beto Dorsey gagne pour le rendre population en compte. Ça parce que yo pas remé forme figure, ça parce que yo pas remé longueur qui fait couper visa, c'est parce que le bon bagaille pour reprocher et dans moment là c'est résolution sous gang qui a fait actualité aux États-Unis, c'est résolution sous insécurité sous gang commanditaire gang qui a fait actualité qui a fait débat en dedans département d'État américain. Eh bien, nous-mêmes comme peuple, nous-mêmes comme nous responsables, nous t'as supposé débarquer dans le ministère de la Justice ou bien côté le fait bureau là, dans chambre hôtel il fait bureau là pour nous demander le compte, li pas ka style ministre justice, li pas ka ministre justice toujours alors que États-Unis, alors qu'on pas qu'être l'autre pays, c'est pas seulement États-Unis hein. Depuis ces pays qui vote et qui approuve résolution qui prend sous gang sur insécurité violence criminelle en Haïti. Tout pays ça a campé, a coupé, a prévoqué visa nèg zaro. Oui, depuis ces nèg, gen 4 sénateurs là m'dande qui en fonction. Et m'a posé tête une question, est-ce que le président Sénat Joseph Lambert il pas fait partie de 4 sénateurs ça yo? Est-ce que le pas fait, est-ce que Ronny Célestin pas fait partie de 4 sénateurs ça yo hein? Bagay en pile, gien zin dans la République, bagay en pile. Et par rapport avec situation ça, c'est chercher nèg sa yo, mande yo compte qui ça va passer comme ça dans pays comme autorité comme officiel, nous pas ka tomber si bas comme ça, pas gien si bas, pas gien plus bas que ça hein. Pas gien plus bas pour t'aider à prévoquer visa officiel en dedans pays pour gang, pour relation, pour rapport gien avec gang et qui pisait c'est ministre justice. Qui est-ce qui a fait justice ça? Qui est-ce qui parle de justice avec voler ça? Vagabond, vaurien ça? Qui est-ce qui parle de justice avec yo? Personne, moun. Donc, c'est population qui pile là aujourd'hui.
C'est nous Pilate et c'est nous pour aller chercher l'enfant venir mener devant Pilate. Et c'est ça qui pour commencer fait. Question pourtant des policiers à protéger nèg sa yo. Faut policier sa yo ta sans honte en pile pour yo ta camper toujours pour nous pour faire résistance avec une population qui vient derrière et mettre dossier pour demander le compte. Parce que zam yo qui rentre à touyer nous tout hein. Li touyer policier, touyer madame policier, il fait kidnapping, il faut crier, il fait toute population crier. Les zam jeune gang, on pas connait qui gang Beto Dossé, on pas connait qui gang qui tel, on pas connait qui gang sénateur, ancien député, etc. On pas connait. C'est seulement les États-Unis révoquer visa yo. N'a pas garder au danger, n'a continuer qui pays nous voulait faire. Qui ça nous voulait faire avec pays yo? Qui ça nous voulait faire payer? Parce que moi-même, personnellement, je me sens que nous ne pas descendre plus bas. Non, chaque jour, je me toujours à dire, quand nous arrivons là, nous ne pas descendre plus bas. Quand nous arrivons là, son pays nous gagne cap disparaître. Non, mais nous. Nous avons un pays qui disparaît, côté que l'éducation n'est pas priorité gouvernement, encore pas priorité l'État. Un pays côté éducation pas priorité l'État. Qui ça a fait? Ministre ni manigal de nouveau ça l'école a ouvri ti pati pa même ti pati pa l'école là pas ouvri non même ti pati pa nous pas même ka fè effort pour nous ouvrir l'école nous pas gen pays n'a fait tout bagay sauf pays bon qui te noir avec ancien ministre justice Luc Mandelil qui lui même li pral exposer qui quantité baf li prend qui quantité baf li prend à ta même tentative d'assassinat nèg yo te planifié pour ministre pour qui ça parce que il était campé en face ISO. On pral konnen jodi an la pour l'histoire et pour la vérité qui est officiel qui est nèg dans l'état qui a protégé gang ISO qui est nèg qui a affilié qui est ancien autorité autorité en fonction jusqu'à jodi an la qui a lié qui a protégé gang ISO et pour qui ça gagne toute faiblesse en dedans institution la police. On nous garder avec Luc Mandelil rendez-vous en casse pita avec Foucault. Non, naturellement c'est malheureux donc on pense que à plus de 90% et ça a duré dire c'est vrai. C'est très malheureux. Donc, le pays vivait dans une situation comme ça. Donc, c'est vraiment grave. Et au niveau du CSPN, où nous sommes parlés là, il y a des problèmes comme ça vraiment. Et c'est ça que fait. Et le pays est tombé dans le chaos total et capital lié là. Et malheureusement, donc, l'homme de l'âme, bah, c'est pas pour me vanter, mais nous avons essayé de faire ça, capable, pour pas arriver là, parce que nous déprévoir. Nous sommes arrivés là, parce que nous croyons que l'État, ils sont bas et moral, l'État pas qu'à de mèche et de connivence avec criminels, avec terroristes. Mais malheureusement, donc, nous avons assisté à un pays totalement et fini, tout est si surcrasé. Et même l'école n'a pas fonctionné. Donc, si vraiment c'est avec le cœur déchiré, on a regardé la situation. Malheureusement, il y a des gens qui entrent dans la politique, ils entrent pour les affaires, mais question qui n'a pas intéressé. Mais ça, on va comprendre. L'autre type de comportement comme ça, donc on va être victime quand même, tôt ou tard. Donc, l'autre bon, responsabilité. Pour faire ça, il y a pour faire. Là, on voit, on voit tout le temps. Donc, il y a un film qui va crier. Mais c'est l'autre monde qui part au pouvoir, qui part de responsabilité d'État. Et qui a crié tout, et là, hélas, et bah, la ligne qui crave. Donc, on garde des sociétés à des capitalités nettes. Son prix pratiquement fini. Et une main qui goûte. Et bien, on t'a qu'à faire pour la jeunesse qu'on a. Tout le monde qui a 20 ans, son visa, vous avez dit, bah, on peut quitter Haïti. Tellement payant. Pas créer l'espoir, tout le monde désespéré d'être. Oui, nous tous pas créer l'espoir. Le panel, il va m'en donner. À quel niveau CSPN est capable d'influencer une opération la police nationale d'Haïti, par exemple? Bon, on ne va pas dire que comme on s'est mis en justice, on ne va pas parler de toute bagaille. Oui, on est question de sécurité. On ne va pas discuter ça publiquement. Mais ça, c'est même pas capable de dire que. Et la question de l'opération, c'est des bagages qui planifient sur CSPN d'abord, avant et la police en tant que technicien pour mettre dans l'application. Mais d'abord, et je ne suis dit là, il me dit tout le temps, c'est d'abord la volonté réelle, volonté politique réelle, en bagaille. En Haïti, en pile qui la politique, en pile là-dedans, c'est des bluffeurs. Ça y a en privé, il va y avoir en public.
Donc, je pense que c'est un petit gros dilemme que nous avons. Toujours un langage de poids, etc. Mais sans volonté politique, et pas rien qu'à résoudre. Moi-même, j'ai toujours fait exercice ça avec l'auditeur tout en disant, pour résoudre le problème, ça, que ce soit à faire blanc de décapitation ou pas, quatre conditions, ça, on ne peut toujours pas aller. S'il va faire, on n'a aucune chance pour nous sortir. Et, première condition, faut qu'on équipe dans le pays. Ce n'est pas sous bloc, mais là, dans le pays, mais au fond, ce n'est pas vrai. C'était pour essayer de sauver, il n'y a pas de caille, il n'y a pas de Haïti a avancé pour lui. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas et Haïti a avancé pour lui. Donc ça veut dire que besoin d'équipe qui est dans le pays. Un. Deuxièmement, besoin d'équipe, ça très important, qui n'a pas rapport ni de près, ni de loin, très 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 loin avec criminels. Théorie, ça a fait maman, papa, petit crier tout le temps. Il ne faut pas avoir rapport avec ça. Du tout, équipe, il faut radicalement opposer avec ça. Et troisièmement, faut gain volonté politique réelle là et quatrièmement faut qu'on pas peur sous peur on dit l'on pas au pouvoir qui sont pas le faire définitivement pas gain on va régler parce que faut pas peur situation là nous son pays qui presque disparaît et changer là et même si international est venu avec des commissaires gouvernement les n'a fait opération c'est par exemple nous qui les offenses éclairent vous, c'est nous qu'on entre avec la police pour nous arrêter. On a des grands services à l'aide des commissaires gouvernement. Nous avons une opération de baptiser garçon par café. Donc c'est une opération 24 sur 24, nous avons fait la police, mais ça n'a pas de résultat. Mais les là au moins, c'est une petite volonté et à l'époque. Mais qu'on y a là, tout le monde a la guinette. Donc c'est gang, c'est criminel qui prend tout le pays hein, qui fait la loi. Et malheureusement. Mais même quoi que sans volonté politique réelle, nous ne pouvons pas sortir. Et le problème, c'est que les gens qui ont dirigé le pays, malheureusement, en pile du passé, nous allons le pays, nous allons le pays. Si on va le pays, mettre tête tout seulement. Donc ça veut dire que va le pays, et c'est ça qui mène nous à ça. C'est des gens qui viennent faire corps, qui viennent faire l'argent. Donc ça veut dire que moi-même, le premier ministre, je suis autour, il ne pas citer non. Il dit, mon cher, bon job, bouger tête, on va le gang, comme ça. Qui est-ce qui va le faire? C'est l'âme des gens qui ont pire animosité que je ne peux pas comprendre. Donc, je ne vais pas passer président à lâcher tout. Et d'après le travail, mais on recommence à te finir. Payant, pour être l'on pense, ne faire rien, ne dire rien, accepte le tout. C'est malheureux. Pas faire rien, pas dire rien, accepter toute bagaille. Si on doit bouler pour trouver ça 8h, 5 fois pour trouver ça, bouler, il est après constitué comme un bon fonctionnaire. Mais il me consacre à Haïti encore. Depuis le bon Dieu, on prend, on ne parle pas de faire rien, on ne parle pas de dire rien, et on parle pas de faire et tout ça, on doit faire pour faire. Et si on dit mon cher chef, la Sinda fait des gens là-bas, bah, à ce moment, on va poser des questions fondamentales à l'ordre du monde, mon choix va nous arrêter. On va voir comment le gouvernement est là, on va voir ça. Personne n'a pas besoin de rien. Mais il est là. Ben, c'est ça. Si tu as une graine qui t'a le fond, je suis certain que tu as besoin de donc maintenant, qui me dit l'aime, nous prenons le pays. Malheureusement, le peuple après, nous prenons bon complot. Et malheureusement, c'est haïtien en comparaison avec des mondes internationaux. C'est arrivé que ça arrivé que vous mettez étiquette sur sac de travail là, il y a des monsieur candidat besoin de candidat. Ah, même des prendre ça tout et si ça sont pas au village là, l'aime des sorti pour moi et étrangler les gouvernants. Donc et on dit que et besoin président. Donc mal candidat, mais tout bail ça contre moi. A dit que me décrire en pile animosité, me décrire en pile jaloux, même pas comprendre ça bon. J'ai été naïf de toute façon. Parce que l'homme du naïf, ça me compte de qui ça va parler. Et moi-même, pas qu'on est, bah, elle a son affaire fait compliquée. Je comprends que pays en pile, moi, on est quitté l'école dans l'État. Nous devons payer en pile. Donc, qu'on y a pour mon fonction, c'est avec honneur, avec dignité, avec plaisir. Donc, c'est avec ça va priver là. Même si je comprends que oui, c'est bon Dieu protéger. C'est une naïveté avec sincérité que j'ai, je ne peux pas mourir parce que l'homme vient garder la femme, vient prendre, et après toute information, aujourd'hui, l'homme vient tomber. Moi, je comprends son pays qui est piégé, son pays totalement corrompu, et sortir, c'est bon, bah, qui est facile. Moi, ce qu'il faut, c'est rééduquer l'homme et la femme haïtienne pour sortir dans la bagaille. Ça, l'ensemble vient tomber là. Parce que nous ne pouvons pas payer, on va une sinecure, c'est besoin de job, pour faire combien, pays en être crasé. Mais oubliez les pays écrasés par les gens encore, par les productions nationales, ils ont même tout, ils ont éliminé tout. Mmh. Mais par contre, ça, vous comprenez. Haïtien, pas agir, le futur, c'est présent. Ouais. Maître Pandele, pendant que vous parlez de l'opération village
côté Dieu a annoncé une opération qui a échoué. C'est plusieurs agents dans la police là étaient morts. Donc, dans un moment où tu fais partie de CSPN, là, dans quel niveau CSPN, ça a côté là dedans, là, tu étais impliqué ou bien qui responsabilité dans l'échec opération ça. Ça m'a vraiment dit, monsieur ministre. Et opération, c'est débat, il a été bien planifié. Pas oublier que, non seulement nous avons une équipe, à l'époque, qui était l'état-major de la police, hein, nous croyons que nous avons une pile volonté et nous avons développé un rapport de proximité avec eux. Parce que régulièrement, dans tout le commissariat, ça a suscité déjà le record. Parce que quand il y a notre ministre qui fait le lien avant, il y a après. Régulièrement, dans tout le commissariat, on va passer pour mettre monsieur en confiance, pour me parler avec eux. Parce que la police en déguetant, ouais, qu'elle était désarticulée. Donc, la nuit pour la journée, nous développons un rapport de proximité. En plus, grand pile, nous venons rencontrer l'MT commissaire gouvernement, qui était commandant tout. Et l'MTO, le ministre Junior, comme des cas de son bel retrouvaille. De temps en temps, nous, ouais, etc. Mais le commissariat pour moi, comment des cas éclaté, monsieur. Donc, nous avons fini par aboutir parce que l'MTO bloqué en mer. OK? À partir du commandant marine, dans Pedro Mas, nous saluons l'acte commandant marine. Jusqu'à présent, par contre, il est toujours là. Donc, nous sommes grand axe là. Donc, monsieur Tableau de choix. Ou bien tu es têtu, ou bien rentre têtu. Mais qu'est-ce que tu vas retirer le bagage? Automatique, même soir, il retire le 9 juillet, même soir, il y a un match, il y a l'autre. Et puis, il fait trois kidnappings, même soir, il est content, il fait fête, il boit bien. Il joue le moment, etc. Depuis, il y a un kidnapping, il y a ouvert net. Donc, l'école l'a ouvert. Et je pense que M. Ote ou la personne de Lucman, il pas trouvé le ministre de la Justice. Pas oublié, j'ai révoqué. Non, c'est le fait qu'une belle chose avec Zam a fait manifestation contre presse. Je dis que je ne peux pas mettre un défi. Autorité en l'air dit que c'est parce que je ne peux pas prendre un moyen. Bon, il y a un prétexte, puisque il y a l'eau de mon pote et ma tête. Et puis qu'on y a là, il va révoquer. Ministre de l'île, entre nous. Sous pas là, c'est certain, t'es fou ministre qui est là, t'es le président qui est là. Mais sous ou pas de l'eau tourne. Allez, où chef là? Oui, mais c'est sous bazar, c'est prétexte à l'eau. Je ne dis pas que je ne vais pas révoquer. Mais ça, je suis oublié. Mais ça est capté, mais ça est reçu, ça veut dire que sous évoquer mon ministre. Pour bandit, vous devez être capable et que délinquant, ça a été toujours demandé, il faut que les tiennes. Et gouvernement fait. Mais qu'on y a là, il va dire que monsieur un peu béni. Mais je vous fais la tombée dans le droit, je le bouille. Donc, souvent, quand on a une justice parce que le capteur qui gagne théorie, ça y est, c'est une conséquence de la vie, là, malheureusement. Donc, ça veut dire que monsieur va sentir que c'est superstar. Et de fait, on recommande monsieur créer le pays. Donc, ça veut dire que, et en politique, perception, et il ne faut pas parler, on ne pas au-delà des perceptions. On veut une sorte de complicité. On fait déclaration à 10-11h du matin, à 5h, on évoque. Et puis, on dit, mais pays a fini. Les conséquences. Parce que pas d'accord, on ne peut pas faire. Jamais, au grand jamais, on ne dit pas d'accord pour payer comme ça. Parce qu'on balance avec criminels, vagabonds à eux. C'est parce qu'il y a des gens, malheureusement, dans l'état de mèche, de connivence avec eux, dans toute sphère de l'état, qui fait mal à l'arrivée là. Mais Lucman, et dans l'intervention que je fais dans le commencement du journal, il y a un point et moi j'ai oublié de souligner, je voulais poser une question sur ça. Comme ancien commissaire du gouvernement, ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, à la police, je me suis parlé dans le mois de mars dernier, il a expliqué que le plus gros défi dans la police, là, il reposait en dans l'inspection générale avec la question des droits humains. Parce qu'il a dit, là, on fait des opérations. Et arrivé correspondre au niveau bien non l'autre avec des bandits donc gain des organismes de droits humains qui ont produit des rapports et rapports ça en pile fois pas faire du bien. OK, donc moi même moi t'en vie mando, est-ce qu'on gagne un commentaire sur et en pile fois position droits humains qu'on prend par rapport avec policiers qui ont senti certaines fois yo qu'on doit organiser les qu'on passe en papier
Et c'est la vérité. Fond, nous, c'est pas toute organisation de droit de l'homme. Il y a un pile qui va collaborer. Tout. C'est pas tout. Et chaque pile en verbe, on est. Pas besoin de citer l'homme là. Mais tout problème n'a pas le droit de l'homme, etc. C'est pas en c'est dans grand pays où le droit de l'homme n'a pas la limite. Ce problème-là, certains ont organisé le droit de l'homme substituant l'État, c'est parce que l'État a écrasé. Parce que si on n'a pas de droit, pas prendre, l'homme dit que l'État, et non seulement de complicité avec des corrompus, des criminels, si ça vient fait que l'État vient perdre toute autorité. Mais si on a dit que l'État a été en haut lieu, et nous certains que il y a des bagailles. Et moun ki nan institution sa yo, pardon? Oui. Voilà. Et m'pense que gen de m'pense que ta pote la limite yo. Allô? Oui. Ou mwen pale. OK. M'pense que ta pote la limite yo. Et problème là c'est que c'est parce que et kou am tout tout à l'heure là, donc gen de responsabilité équipe après. Et qui fait arriver là. Nous croyons que l'on a une fonction de responsabilité, il faut qu'on assume. Tout à l'heure, maintenant, Johnny a parlé de visa américain et telle autorité a parti au bloqué. Bon, c'est lamentable. C'est honteux. Je ne crois pas qu'on ne doit pas plaisir dans ça. Donc, voilà qui niveau de différence pays arrivé. Et c'est vraiment malheureux de ne pas avoir plaisir dans ça. Parce que quand même, et que bon que pas bon si soit disant représentant nous donc laisse arriver et nous pas si son autre pays donc c'est vraiment grave. Ah ok, non d'ab cherche si quand on dit ou pas là ou tourner hein Maître Lucman va me garder moi je suis la police nationale d'Haïti qui a été comme force de sécurité publique pour traquer criminels à eux, parce que c'est pas possible, c'est révoltant, c'est inacceptable. Ça me tape gardé dans la télévision. Je bat là, je tourne. Donc, donc, je me bat là au tourné, c'est le niveau où aller. Et c'est ça que tu prends comme prétexte. Non, mais là, il y a eu l'eau, ça y a eu l'eau. Je ne sais pas si je parle avec. Je ne sais pas si je évoqué. C'est seulement tandis que je suis tombé. Et ces déclarations, ça a tout mené le pays à l'âge. Parce que qui fait là, c'est que mon cabinet, je ne pas de procure. Pour te comprendre que même si tu parles pour la veine, il faut un moment pour faire. Parce qu'il ne faut pas avoir un criminel à bandit impression. Pour vous combiner. Pour lui, parce que l'autre est bien qu'on contrôle, quand vous mettez grand monde déjà, la cracher sur nous, chaque fois on parle. Donc, si vous avez un matin, et bien finalement, si vous voulez le battre, et qu'on est assez con pour l'État, on va lui jouer avec, pas pour la police. Mais c'est exactement ça. A dit que, impression, bon, pas impression encore, si M. Vinny de bonne complicité, pour satisfaire et demande assassin, et criminel, et terroriste, et qu'on a mis ça le bail comme conséquence. Donc l'aime de faire une parcelle parce que c'est le superstar, me dit ouais que en tant que ministre de justice et sécurité publique, n'oubliez ça, et sécurité publique, donc sécurité pays en quelque sorte en partie en même temps, donc on n'a qu'à tolérer que pays est toujours l'enfer pour maman, papa, puis toute la chaîne de l'air. Dit non, c'est inacceptable, l'inacceptable ne peut pas être défendu. On n'a pas qu'à tolérer comme ça. Eh bien, malheureusement, on a pour mal embrasé, on ne peut pas comprendre ça. Et donc j'ai été laïf, couvre boulot, et puis voilà. Arrivé. Donc si ça fait mal, si je regrette, c'est ça. Je ne vais pas aller me faire l'argent, même j'ai avec tout l'autre monde qui va sur le pouvoir. Au moins, je vais aller me faire bagarre pour l'histoire, etc. Ce n'est pas tout haïtien corrompu, pas tout haïtien volé, ce n'est pas toute autorité que l'on gagne, l'envie légale, la complicité de mèche avec terroriste, avec criminel. Je devrais montrer ça. Donc ça veut dire que le monde qui a dit que j'ai mis de l'ordre dans le pays. Je ne vais pas accéder au pouvoir, je vais aller me faire comme ça. Ou bien là on veut démissionner. On va accepter. D'accord. Donc, mais malheureusement, donc j'aime découvrir même dépenser tout mon coup pour voir qu'il y a la même j'avais. Puis un pays même jamais, vous me tromper, et ça fait ma prendre en pile.
Je comprends que le pays a son pays qui est extrêmement compliqué, son pays qui vraiment son bail tête chargée, Haïti. Moi, je pense que je vais rééduquer l'homme et la femme et haïtien, donc je crois que le pays n'a pas sorti. Donc chaque décennie, je pense que la vie, même bagaille, et parce que faut inculquer car haïtien et l'honneur, la dignité, l'amour de la patrie. Et si on n'a pas inculqué ça, et la dignité, l'honneur, l'amour de la patrie, moi je pense que son pays l'a bien encore, je pense que son pays l'a perdu. Et chacun qui veut entrer dans la politique, en pile là-dedans la plupart, en bonne majorité, c'est pour venir faire l'argent, mais en réalité, le pays n'a pas intéressé. Si vous avez chacun au pouvoir, pour quel type de demande on sait du monde qui la politique a produit, et il a demandé au fond. Mon cher Abdel, je vais vous donner un mot. Je vais vous dire, mon cher, ça me dépasse de tel là, mon cher, je suis en pile. Et qui j'ai tel qui a fait moi tel bagage, tel bagage. Merci. Ça veut dire que moi-même, mon expérience du pouvoir, de affaires sociales, fait 8 ans, commissaire gouvernement, ministre de la justice, je compte payer un peu. Donc, on connaît les hommes et les femmes de ce pays un peu. Et dernière expérience, 4 mois, je fais là, je vais pile bagage que je connais. Et grand pile bagage, je ne vais pas dire, si je suis dans la République, je suis en train de faire donc, m'obliger à faire réserve et la loi, et comme avocat, tout, donc, moi qui est responsable de l'État, il fait une obligation, obligation de réserve, je ne vais pas dire tout le bagaille, mais il y a des bagailles, il ne va pas dire, je ne vais pas plus décourager que j'en fasse là, parce que tellement nous sommes corrompus, tellement nous nous aimons l'argent, tellement nous nous raillons bien, et ça a vraiment fait mal. Et il y a une pause là, ou une grosse équipe, nous dit là, et il y a un travail, il y a un boulot. Tout le monde est allé regarder et il y a plein même les chefs citoyens. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont des privilèges, mais qui n'ont pas de rien comme responsabilité. Merci voilà. À pile. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, on dit tout. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel Paola pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral faire débat, c'est toujours même Yannick